Chers frères et sœurs et amis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous comptons pour nous capables de jouer encore avec le mouvement de prière que nous gagnons dans l'émission à travers la Bible TV. Donc, c'est une émission que nous gagnons pour encourager nous et pour nous capables de mettre le Seigneur dans l'affaire nous. Tout ce que nous gagnons, nos problèmes, inviter le Seigneur et puis approuver la solution venue. Depuis c'est selon volonté, bon Dieu, et bien il est capable d'aider nous, nous adresser prière à lui-même, nous parler à lui-même. Il est prêt pour nous, il ouais, nous, il connaît le monde, il toujours aider le monde qui en a le besoin. Et je tiens à nous gagner un texte pour. Méditation, nous, avant que nous allions dans la prière, nous sommes dans Genèse chapitre 21 et verset 14, rivé dans verset 21. Et nous appelons pour nous-mêmes verset 14, à côté nous jouons une réflexion. Ça a dit Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule et il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Et quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des abysses et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui. Elle va la voir et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car tu as entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle avait un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fit avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Voilà, donc c'est une lecture et méditation aujourd'hui. Histoire lit et montrer comment, eh bien, et femme ça Agar, c'était servante Abraham, servante Sarah. Et les Sarah, ou elle, pas qu'à faire petite, lui mandait Abraham pour lui aller avec, eh bien, Agar. Et Agar, enceinte, devine faire un petit, tu relis Ismaël. Ismaël, dit Dieu entend. Et nous voyons que petite Sarah grandit, elle grandit, et Sarah vient faire une petite parce que bon Dieu te promet la balle petite là. Et il n'y a pas qu'attendre qu'elle te chaud, elle y crie problème parmi eux. Et comme ça, nous voyons petite là, vient à peu et grandit, Ismaël a grandi. Pendant qu'elle a présenté petite là, Ismaël a regardé et puis l'a pris. Et content, ouais, petit frère, content, ouais, le petit monde pareil. Mais Sarah dit, mettez-le dehors. Ah, c'était le problème. Mettez madame là dehors, toute petite là. Et nous, ouais, Abraham l'écoutait. Et bon Dieu te dit, ça, Sarah, d'où faire, c'est ça pour faire. Allez. Donc, comme ça, les mettez madame là dehors avec petite là, avec tristesse dans le cœur. Chagrin dans le cœur, il voit petite là, elle balayait un pain avec une bouteille d'eau pour aller
Et de l'eau a fini pendant que vous êtes dans le désert là, vous ne comprenez pas ça pour vous faire. Et le texte dit, vous êtes égaré dans le désert là. Vous êtes égaré dans Beersheba. Et donc, comme ça, vous ne comprenez pas ça pour vous faire. Et madame là, tellement pas gain espoir, elle mettait Timon en bon pied bois et puis elle a chuté en face pour regarder. Et qu'il est là pour mourir, il dit, et que je ne vois pas mourir mon enfant. Et puis, il est allé chita loin. Et c'est la mort, il est la mort en face. Donc, comme ça, pendant les là, Timon a crié, l'Éternel, tant de fois, Timon. Il dit ça, oui. Il dit, l'ange de l'Éternel appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu? Agar, ne crains point car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Donc, c'est ça. Bon Dieu, les ouais nous, les tendez nous, les connaissent, ça va passer, les gardez ça. Les tendez. Et de vous tendez, bon Dieu, parler, eh bien, il y a quelque chose qui va le faire. De vous tendez, bon Dieu, wow! Et vous connaissez, bon Dieu, wow, c'est ça qu'il faut besoin faire la foi en agir pour croire que bon Dieu est là, lui, wow, adressé à lui, parler à lui, pas mettre les yeux sous maman, sous papa, sous docteur, et sous, eh bien, président, sous gouvernement, ou à bégarer dans le désert, là. Mettre les yeux sous, bon Dieu, parler à bon Dieu, lui, là, la coutume, bon Dieu, pas jamais absent. Parler bon parole, parler ce que besoin, pas babiller, pas rendre mon responsable, mais parler avec bon Dieu. Li wo nan dizè la, li wo nan égarement, li wo nan peine ou nan souffrance. Agathe gen plusieurs souffrances, plusieurs bagages qu'a traversé. Agathe, yon moun que Abraham te prend, li sorti son égyptienne liye. Lui-même qui choisit pour marcher avec lui, pour venir avec lui, il a servi ses servantes, et c'est lui-même qui baille pour madame Abraham, Sarah fait ça. Où est son monde qui t'a vivre pour lui penser le bien? Mais il mettait dehors. On était là, il n'y avait pas de côté pour aller, c'est dans le désert, il n'y avait pas de caille, il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas de rien. Donc, les gens, ça y a passé, les petits, les encore, à mourir. Ils pas de manger pour aller, ou qu'à comprendre, y a un moment, comment ils entrent, ils ont déchiré. Mais l'Éternel, qui connaît, qui sont Dieu, miséricorde Dieu, qui ouais, tout bagaille, il paraît, il fait intervention. Il fait intervention, et il peut, eh bien, assistance pour lui. Il dit, l'Éternel, Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit un puits d'eau. Elle la remplit d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. C'est ça le besoin. C'est ça le chercher. Et Timon vive. Et c'est Timon ça qui finit en pile nation arabe et palestinien. C'est eux-mêmes. C'est eux sortis dans Ismaël. Ils sortis dans Ismaël. Et c'est à quoi ils sont toujours opposés à Isaac. Et à Israël qui sortit dans Israël, lutte là depuis longtemps. Donc nous besoin prier pour Israël et prier pour tout l'eau qui est en difficulté. Et bon Dieu va aider parce que bon Dieu, ouais, on va changer tout bagaille pour vous, il va ouvrir les yeux pour qu'à ouais écouter solution. Et nous allons aller dans la prière. Nous connaissons bon Dieu, li wèw, nan faiblesse ou, nan égarement yo, nan désespoir yo, pa gen moyen pour aider pour petit tout, aider tête tout, ou désespéré. Donc, parler avec bon Dieu, il peut aller d'eau. Seigneur, nous te remercions parce que c'est bon Dieu qui wèw. Amen. Ou c'est bon Dieu qui tendait, ou c'est bon Dieu omniprésent, ou c'est bon Dieu omniscient, ou c'est Dieu omnipotent.
ou c'est Yahvé, Sabaoth, Dieu Tout-Puissant, Jéhovah Jiré, c'est vous-même qui a fait tout le bagage. Nous mettez situation en amont, nous mettez tous les amis qui ont coûté, qui ont difficulté qui est semblé égaré dans la vie, y'a pas connaître ça pour faire tant qu'on regarde égaré dans le désert là. Et donc aidez au Seigneur pour qu'on clair, et on va chanter pour vous-même, et on va bon louange, on va baou un nom qui au-dessus de tout gouvernement, tout papa, tout maman, tout chef qui t'a dû aider au Seigneur, nous compter sur nous, laguer tout bagaille dans main. Au nom de Jésus, amen, amen. Nous comptons pour nous être là ensemble avec vous pour présenter aux prières du matin. Il y a une tranche dans l'émission à travers la Bible TV. Donc, nous comptons pour nous faire ça, que le Seigneur est capable d'aider vous sur cette route égarée ou bouillie dans la vie adressée à l'Éternel. Il va aider vous pour être clair. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.